Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous dans cette maison. Merci de nous avoir rejoints, en particulier si vous n'êtes pas protestant, si vous êtes catholique. Bien sûr, un grand bienvenue à nos frères de l'oratoire de France, donc au père Cunningham, qui est le supérieur des oratoriens, et le père Nicholson, avec qui nous avons la joie de collaborer avec Saint-Eustache. Et puis bienvenue à ceux qui ne seraient pas chrétiens et qui nous font un geste particulièrement fraternel en venant ici, qu'ils soient délégués par leur administration, qu'ils soient élus ou qu'ils soient venus pour manifester un intérêt pour l'oratoire du Louvre. Alors je vais vous lire un récit des évangiles qui est curieux à plus d'un titre. Il comprend deux miracles incroyables et il comprend cette nouvelle surprenante: le Christ ne veut pas régner sur nous. Alors voilà de quoi me fâcher avec les scientifiques, avec les deux miracles et avec les théologiens, allez-vous me dire. Pour ce qui est des scientifiques, je peux les rassurer tout de suite, je ne pense pas non plus qu'il faille lire ces récits de miracles au sens physique du terme. On a le droit de croire ce qu'on veut. Quant aux théologiens, les prêtres et les pasteurs, mais aussi les fidèles, certains seront peut-être un peu choqués quand je vais dire que le Christ ne doit pas régner sur nos vies. Mais cela pourra lancer une discussion intéressante entre nous et peut-être arriveront-ils à me convaincre sur ce point-là aussi, c'est très possible. En tout cas, vous allez entendre ce texte, mais vous l'avez aussi sur la petite feuille. Jésus-Christ refuse à ce moment-là de régner sur les personnes qui l'entourent et qui lui demandent avec insistance de régner sur la foule. Alors je crois que ce texte peut nous faire réfléchir ce matin sur notre place dans la société en tant qu'Église et en tant que simple croyant. Alors c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, les versets 5 à 21. Jésus leva les yeux et il vit qu'une foule nombreuse venait à lui et il dit à Philippe: « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le faire réfléchir, car il savait bien ce qu'il allait faire. Jésus lui répondit: « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Alors un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour nourrir une multitude ?» Jésus dit: « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 personnes. Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là, et il fit de même avec les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens-là, à la vue du miracle que Jésus avait fait, dirent: « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, il s'enfuit de nouveau sur la montagne, lui seul, et là, il pria. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ pendant 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et qui s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit: « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et ils voulaient donc le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque touche à terre, là où ils allaient. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter pour laisser résonner ces textes à l'intérieur de nous-mêmes. Le psaume 33, les 2 premières strophes de ce cantique traditionnel protestant du XVIe siècle. «
Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à évoluer. Grâce au témoignage que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer, afin de mieux te connaître et mieux t'accueillir. Aide-nous, oui, à recevoir ta parole, cette parole unique que tu as pour chacun de nous, pour nous ressusciter maintenant. Et que, prenant conscience de notre infinie valeur, nous ayons un enthousiasme de vivre et une véritable attention pour celles et ceux que tu nous confies. Jésus ne faisait absolument pas l'unanimité, tant s'en faut. Mais dans ce texte, il enthousiasme les foules, une foule de partisans. Ils reconnaissent en lui un prophète, un vrai. Une personne qui a quelque chose de cette dynamique extraordinairement positive qu'est Dieu, et ils veulent le faire roi. Alors cela semble une bonne idée. Ils veulent de bonne foi que Dieu règne sur leur vie, que la parole les dirige et que l'action du Créateur puisse ainsi être pleinement à l'œuvre dans leur vie et dans le monde. Bonne idée ? Eh bien non. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Christ refuse de régner sur nous. Ce qu'il veut, nous dit ce texte, c'est plutôt nous offrir de faire pour nous les deux miracles qui sont annoncés ici. D'abord, nourrir notre être, comme dans le premier miracle, et nous rendre capables de nourrir un peu les autres. Mais c'est aussi de nous aider à atteindre Capernaum, comme dans le deuxième miracle, c'est-à-dire littéralement le lieu de la consolation en hébreu. Ce qui est précieux quand nous sommes dans la nuit à ramer sur une barque désespérément, comme les disciples. Mais plus largement, Nahum en hébreu, c'est la consolation, mais c'est aussi l'accomplissement de notre être avec Dieu, en effet. L'Esprit, dans l'Évangile selon Jean tout particulièrement, est appelé le Consolateur. Et donc Christ refuse d'être roi. D'ailleurs, Dieu lui-même ne veut pas régner sur notre vie, et c'est normal. Que penserait-on de parents qui voudraient régner sur leurs enfants, régner toute leur vie ? Mais Dieu ne s'impose pas à nous comme une brute. Et c'est en grande partie parce que Jésus refuse d'être roi que la foule, en fait, et d'ailleurs aussi la plupart des disciples, vont l'abandonner, déçus. Parce que ce serait extrêmement confortable et rassurant d'avoir le Christ pour roi. Il distribuerait du pain à ceux qui ont faim, donc on pourrait rester bien tranquille. Il imposerait une juste paix partout dans le monde. Il calmerait les tempêtes, il nous ferait marcher sur l'eau. Il nous dirait ce que nous devons penser, ce que nous devons faire, quel projet avoir. Eh bien non, Christ n'est pas fait pour régner sur nous. Christ refuse d'être roi, mais
Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de skipper dans les bateaux, sinon comment gagner une régate? Christ refuse d'être roi, et heureusement, il y a des chefs de service dans les hôpitaux, il y a des maires dans les villes, il y a des généraux, des cordonniers, des professeurs. Mais que Christ refuse d'être roi, cela veut dire quelque chose à tous. Cela veut plutôt dire que nous ne devrions pas régner sur les autres, spirituellement. C'est-à-dire que nous ne devons pas dominer les pensées des autres, nous ne devons pas régner sur le génie propre des autres, ni sur leur dignité, sur leur estime de soi. Et que nous soyons président de la République ou enfants à l'école primaire, nous sommes appelés dans ce texte à nourrir notre prochain et à l'aider à avancer de différentes façons. Le Christ a refusé de régner. Alors encore plus, ni l'Église, ni les pasteurs, ni même la Bible doit penser à la place des gens. Et je crois que c'est à la base des réformes comme celle de Pierre Valdo au XIIe siècle à Lyon qui a décidé de faire connaître, de transmettre vraiment la connaissance du texte de l'Évangile à ses ouvriers qui tissaient les fils de soie dans ses ateliers. Et c'est à la base de ce projet de Luther et de Calvin d'apprendre à lire à toute personne, aux femmes, aux enfants, aux hommes, même les plus modestes, pour qu'ils puissent lire la Bible par eux-mêmes, réfléchir par eux-mêmes et prier Dieu directement. Et je crois que c'est aussi le rôle de l'interprétation de la Bible de nous aider à donner une juste place à cette Bible et qu'elle ne règne pas trop fort, trop violemment sur notre vie. Alors le Christ refuse d'être roi, mais que fait-il donc alors? Alors je vous propose de suivre ce récit tranquillement. Ce texte commence en nous disant que Jésus lève les yeux pour voir les personnes qui s'avancent vers lui. Et donc il ne les regarde pas de haut en bas comme un roi, mais plutôt de bas en haut comme un serviteur ou plutôt comme quelqu'un qui veille sur les besoins d'un autre qu'il aime. Un regard de bas en haut. Eh bien, ça se sent, vous savez, quand quelqu'un nous regarde de bas en haut, en fait. Et ça se reçoit comme un geste qui nous met debout, qui nous relève dans notre dignité. Après ce regard, Jésus pose une question à ses disciples. Comment faire pour nourrir ces gens qui sont autour d'eux? Le grand service, je crois, premier que nous apporte la Bible, c'est de nous aider à nous poser des questions. Nous adorons apporter nos réponses et nos vérités aux autres. C'est d'autant plus naturel que nous avons des convictions fortes, des convictions qui nous font vivre, des convictions que nous nous sommes fait en réfléchissant par nous-mêmes, comme Jésus nous l'encourage à le faire. Mais asséner nos vérités aux autres, c'est un comportement de roi. Jésus préfère aider les gens en leur faisant se poser des questions. Alors Jésus a des convictions bien affirmées, c'est vrai, ce qui transparaissent à travers ce qu'il dit et à travers ses gestes, mais ces convictions, il les dit souvent d'une façon qui pose question. Ce n'est pas une évidence, en fait, dans l'Évangile. Il a des paroles qui sont visiblement exagérées, impossibles. Il a des paroles qui sont des énigmes dont on aurait bien du mal à donner un résumé en une phrase. Il pose des gestes symboliques et ainsi Jésus nous aide à nous poser des questions. Et ici Jésus élargit le questionnement de ses disciples à la foule des personnes qui les entourent. Il présente comme une évidence qu'ils sont concernés par la faim de ces gens. Rien de moins évident en fait. Mais pour cela il les invite à se demander comment faire pour nourrir cette foule. Alors bien sûr, comme Philippe et André dans cette histoire, il n'est pas difficile de se rendre compte de l'immensité abyssale des besoins de l'humanité. Mais il découvre aussi que nous ne sommes pas sans avoir une certaine richesse quand même, même si c'est une richesse qui semble ridiculement petite, comme celle d'un enfant qui aurait dans son cartable 5 petits pains et 2 petits bouts de poisson. Comment cela va-t-il suffire? Jésus va multiplier ses pains et ses poissons.
Alors au sens physique, c'est impossible. Alors moi, je suis désolé, j'aborde ça avec le regard qui est le mien, de quelqu'un qui a une formation scientifique. Un rapide calcul montre que si Jésus avait physiquement créé une telle quantité de pain, il aurait produit une énergie équivalente à celle qui est développée par 2300 centrales nucléaires pendant un an. À mon avis, ce texte n'est pas un reportage sur un formidable développement d'énergie fait par un magicien. Sinon, en quoi ça me concernerait directement ? Je suis désolé, mais ça ne me dirait rien du tout. Mais c'est plutôt une mise en récit d'une vérité théologique et existentielle qui nous concerne profondément. Il existe, oui, des nourritures qui se multiplient miraculeusement si l'on s'y prend un peu bien et avec l'aide de Dieu. Eh bien, ce sont les nourritures spirituelles. Et cela n'est pas sans conséquence sur les nourritures terrestres aussi, qui nous sont nécessaires, bien sûr. Eh bien, ce texte, en fait, est un signe. Et la qualité des nourritures qu'offre le garçon évoque bien des richesses spirituelles, en fait, si l'on regarde de près. En effet, 5 pains d'orge. Ce chiffre 5, il évoque la Torah. Le Pentateuque, la Bible en fait. Et la Bible est elle-même souvent comparée à un pain, dans la Bible elle-même en fait. Et c'est vrai qu'elle a fait ses preuves, la Bible, comme nourriture pour la réflexion et pour la prière de chacun, de génération en génération, et cela aussi bien chez les Esquimaux du Groenland que chez les Papous de Nouvelle-Guinée. Et c'est, je crois là, vraiment, oui, un miracle. Et puis 2 poissons. Le chiffre 2 évoque la parole et le poisson évoque la vie spirituelle, car le poisson, paraît-il, grandit sans cesse, il a toujours les yeux ouverts et il évolue sans cesse dans l'eau qui est souvent une image de la bénédiction. Donc, en tant qu'Église et en tant que chrétien, nous avons été nourris par ces pains, les pains de la parole, de la Bible, et par les poissons de notre foi, de notre vie spirituelle, de la présence de Dieu en nous. Alors ce n'est pas l'expérience de tout le monde, mais c'est notre expérience. Et donc nous avons cela, ces 5 pains et ces 2 poissons dans notre panier. Cette histoire nous dit que ce n'est pas peu de choses pour nourrir le monde. Alors quelle idée passe par la tête de ce garçon d'offrir ces pauvres 5 pains et ces 2 poissons pour nourrir une foule ? Quelle idée a eu André de relayer cette offre minuscule ? Eh bien, c'est le regard de bas en haut, finalement. Celui que porte le Christ au début, c'est le fait aussi de se poser des questions, de se sentir concerné par les autres, comme le Christ nous y invite. C'est cela qui permet ces gestes. Ce garçon fait un geste, ce geste touche André et réveille en André l'apôtre, un minuscule début d'espérance possible. Et Jésus partira de ça pour nourrir la foule et en faire un peuple. Comme quoi, les richesses spirituelles peuvent être ainsi communicatives, contagieuses, on pourrait dire, mais au bon sens du terme. Le geste de solidarité du garçon apporte une nourriture matérielle modeste. Mais ce geste est également porteur d'une richesse spirituelle qui, elle, peut se multiplier à l'extrême. Et faire avancer la situation non seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau matériel. Car cela non plus n'est pas négligeable. La nourriture spirituelle n'est pas tout. Nous avons besoin, tout homme a besoin, de nourriture de toutes sortes pour vivre et pour s'épanouir. Bien sûr, nous le savons tous. Mais tous les domaines qui concernent l'humain sont profondément liés entre eux. En ce qui concerne les pains matériels, pour que tout le monde ait assez à manger dans le monde, nous le savons, c'est une question de ressources, certes, mais c'est le problème aujourd'hui, c'est plutôt une question de cœur, d'intelligence et d'enthousiasme. Et donc, c'est aussi une question en grande partie spirituelle, cette question de la justice dans le monde, de la paix, de la nourriture même, la plus matérielle. Jésus nous apprend ici à multiplier, à démultiplier les dons spirituels, les nôtres et ceux des autres. Et cela nous permettra peut-être, oui, de ne pas trop oublier que l'homme vit de pain, de farine aussi.
Alors pour multiplier ses pains, pour multiplier ses gestes, Jésus commence par prier. Là aussi, c'est un geste important. Et il ne prie pas pour demander à Dieu de faire pleuvoir des pains. À mon avis, Dieu ne peut pas faire ça. Sinon, il le ferait pour que ses enfants ne meurent pas de faim, bien sûr. Mais la prière de Jésus, en l'occurrence, c'est de rendre grâce. Cette prière de rendre grâce, de remerciement à Dieu, c'est d'abord une humilité devant Dieu, humilité de nos forces et de notre sagesse devant, oui, une dynamique d'évolution et une grâce qui nous dépasse infiniment. Et là encore, c'est un regard de bas en haut, et il laisse ainsi une chance à Dieu de nous apporter ce qu'il a à nous apporter, ce qu'il peut nous apporter. En confiance, c'est toujours une bonne surprise. Et à mon avis, il vaut mieux prier ainsi que de penser devoir expliquer à Dieu sur ce qu'il devrait faire et sur ce que nous ferions à sa place si nous étions, oui, si nous étions Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Et donc la prière de gratitude qu'a Jésus nous apprend à le regarder d'en bas, ce qui est quand même assez sage, je crois. La prière de gratitude nous aide aussi à nous réjouir ce qu'il y a de bon en nous, dans notre vie, et ce qu'il y a de merveilleux aussi dans ceux qui nous entourent. Et il y a vraiment du bien dans ceux qui nous entourent, il n'y a pas que du mal dans ce monde. Oui, même quand nous sommes chômeurs, abandonnés, malades, trop jeunes, trop vieux, même quand nous sommes coupables d'horribles choses, nous avons de vraies richesses, de toutes sortes de richesses, à l'intérieur de nous-mêmes, en tout homme, en toute femme, en tout enfant. Ce regard de gratitude, il nous permet peut-être d'ouvrir les yeux là-dessus aussi, de compter sur Dieu pour qu'il nous aide à ouvrir les yeux là-dessus. Et puis la prière de gratitude, elle change aussi notre façon de concevoir notre propriété personnelle. Que serions-nous ? Qu'aurions-nous si nous n'avions rien reçu par grâce ? Si nous n'avions jamais été aimés ? Si nous n'avions jamais été nourris dès notre enfance, alors que nous étions incapables de rien faire ? Si nous n'avions pas été accueillis dans une culture, dans une société organisée ? Eh bien, cette prière nous apprend à recevoir et à donner. Bref, cette prière de gratitude, elle replace l'ensemble dans une vision non seulement de bas en haut, devant Dieu et devant les autres, mais aussi de haut en bas, de très haut, pour voir qu'un petit geste serait un beau prolongement, oui, à notre gratitude, qu'un petit geste de bas en haut pourrait changer le monde et nous donner aussi, au passage, bien de la joie. C'est vrai. Alors, le regard qui fait se sentir l'autre digne, le questionnement qui fait que l'on se sent responsable, la prière, le geste d'un petit, l'encouragement d'un autre, tout cela multiplie tranquillement, sous les mains et la prière du Fils de l'homme, le pain spirituel et aussi le pain matériel. Alors les disciples sont épatés par Jésus. Ils reconnaissent en lui quelque chose qui vient de Dieu et ils veulent le faire roi. Mais aussitôt, Jésus disparaît à leurs yeux. Et en une phrase, le texte nous montre le résultat de cette espérance déplacée. Les ténèbres tombent sur eux, ils descendent vers la mer comme si leur être s'enfonçait dans le chaos originel. Vouloir prendre le Christ pour le faire roi est source de régression. Combien plus encore il y a du risque quand c'est notre religion, quand c'est notre Bible, quand c'est notre catéchisme, ou quand c'est sur l'État, sur la sécu que l'on compte, pour penser, pour agir à notre place, pour être prophète à notre place, pour aider notre voisin à notre place, alors que notre vocation était d'avoir un geste et une parole pour lui. Eh bien, les disciples, donc, ils rament dans le noir. Jésus a refusé d'être roi. Il va falloir regarder, il va falloir penser par nous-mêmes. Est-ce que je ne vais pas me tromper ? Il va falloir agir, il va falloir donner ma propre richesse aux autres. Est-ce que c'est bien utile ? Est-ce que je ne vais pas manquer demain ? Et puis l'abîme est trop profond, le vent est trop fort, les vagues s'élèvent. Pourtant,
nous dit le texte, Dieu est présent. Il est présent comme un souffle qu'ils sentent sur leurs joues, mais même ce souffle leur fait peur. Alors Dieu se rend plus présent encore, encore plus visible, encore plus audible en Jésus-Christ. Il est un acte visible de Dieu pour créer l'humain en chacun de nous. Il ne vient pas pour régner à notre place, mais pour nous élever comme on élève un enfant. Et finalement, le bon rapport, le bon usage que l'on peut faire de Dieu, c'est tout simplement vouloir le prendre dans notre barque. Le Christ n'est pas fait pour régner sur nous, mais pour nous accompagner, pour nous donner ce réconfort qui nous manque, afin de monter plus haut et de savoir regarder d'en bas. Amen.